Et là, on va où en fait? On va à la maison, après tu prends le volant. Ezi moi et du corps. On a ya karubi. Ezi moi et du corps. Et j'ai dit aux gens 18h40. Et comme d'habitude, je peux pas poster en fait. Parce que là, je suis ici. La vidéo est là, hein, mais c'est juste qu'il n'y a pas les liens et c'est une vidéo un peu de tenue et tout ça. Donc, pas nous tuer aujourd'hui. Hein. Moi, je viens de mon petit village ici, je veux pas de problème. Donc, bref, les examens. Adam. Tu parles à qui? À toi. Faut pas mettre la caméra comme ça. ça veut dire que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Attends doucement. Purée, je suis genre mal à l'aise. Parce que c'est toi qui tiens le volant, tiens. Moi, je veux rien savoir. Qui est en train de me faire paniquer en fait, je sais même pas pourquoi. Non, mais c'est toi qui paniques et tu c'est me fais paniquer. C'est toi qui me panique, justement, c'est toi. Françoise, avec toi, j'ai paniqué. Je te fais paniquer, mais non. Toi, tu me fais paniquer, c'est pour ça que je panique en non, fait. Non, non. Depuis le début, Lisa a géré la conduite. Voilà. Okay, bah, c'est tout, alors je me tais, mais tu regardes bien l'angle mort en fait. And that's on period. Moi, je veux ma vie en fait. C'est... Putain, Gloria, sors de la voiture. Tu sais que tu dois regarder mais ici. Mais je regarde, Gloria. Je regarde très bien. C'est moi qui. Je regarde là et je regarde pourquoi là. Pourquoi tu cries? Oh, ça, Gloria, Françoise. Pourquoi tu cries? Françoise, pourquoi tu es là? Pourquoi tu cries? Why are you shouting? J'ai dit, tu regardes ici, rétroviseur. Ok, il n'y a personne, tu y vas. Tu vois, c'est pas les tu freines, tu truques. La voiture derrière, elle va te toucher. Tu regardes à côté. Angle mort, puis tu avances. Go. Gloria, tais-toi. Oh, Seigneur. je me tais. Dès qu'on va arriver, on va voir. Voilà. Merci. Ah bah. T'as failli rater la priorité à droite. Tu l'as pas vu. Si tu fais que t'arrêter, ça va faire comme la voiture, elle va être mais comme ça. Mais tu t'arrêtes pas, tu freines un peu. T'appuies doucement. T'enlèves ton pied de l'accélérateur. Cœur et Dieu, qui m'a envoyé? Non, mais moi j'ai peur, c'est quand toi tu vas prendre le volant parce que toi ça fait un an. Mais toi t'es folle en fait, moi je peux arrêter un an, si c'est deux ans, si c'est quoi, j'aurai toujours la main parce que maintenant c'est bon, c'est, je sais non, conduire, moi, tu vois. T'as peur pour toi? T'as peur pour moi? Quand toi tu vas conduire, t'as pas l'air confiante aujourd'hui, hein? Qui c'est? Oui, toi? T'es plus en sécurité avec moi qu'avec elle en parce fait. Parce qu'elle là, a vu comment j'ai conduit. Bref, on arrive et ensuite je reprends le volant parce que vous voyez là les petits joueurs là. La gauche, ça fait Anne. Et alors? Je sais même pas. C'est comme si maintenant tu me disais papa, comment dire? Ouais, il a arrêté. Ça c'est de... papa. Il a eu son, il a son permis. Toi t'as ton permis? Ezi moi et du corps. On a ya karubi. Permis, ça veut dire permis quoi? Mais permis, ça veut dire. On dit comme ça que la police t'attrape, on va pas pour ça. La police, c'est qui? La haute. Non, je déconne. Et c'est juste que franchement, c'est un truc de timing et tout ça. J'ai loupé blindé de fois ma date et tout ça pour le passé. Eh les gars, je suis fatiguée. Genre, franchement, même la police devrait me dire tout. On te laisse parce que c'est trop. C'est trop? Tu vois, là où elle conduit, mais elle a pas de permis. C'est mais quoi pourquoi ça? Pourquoi t'as pas enchaîné directement? Mais j'ai essayé, j'ai voulu, tu vois, mes manques de temps, et puis date, et mais puis confinement et tout, tu vois, donc j'ai pas pu, tu vois. Mais t'es gamine, hein? Elle a dit quoi? Tu vas pas avancer ton siège, genre je mesure combien? Elle est folle, elle. Attends, non, sérieusement, cette voiture, tu dois pas... Elle conduit chez Yapa. Elle va comme ça, t'es pas obligée. Ah, les autres... Ah, c'est quelle voiture? Je sais même plus, il est où l'embray? Elle met pas dans les volants. Ouais, elle fait trop la go, putain. À l'école, on te dit, quand tu vas à droite, tu vas le plus court possible. Quand tu vas à gauche, tu vas le plus long possible. Maman, l'essentiel, parce c'est d'arriver. Puis oui. Tu vois, cette fille, elle ment trop. Oh mon Dieu. Oh,
Ah, putain. Ok, ça dit quoi? C'est bon tout droit, c'est correct. Elle aime trop ça. Moi, j'ai peur pour ma vie. Mais ouais. En fait, enlève le truc. Vas-y. Mon problème, c'est ça, en fait. C'est que le chemin, c'est ça mon problème. Mais le Waze, il ment pas. Le Waze, il ment pas. Il va pas te ralentir, le Waze, il ment pas. Mais en fait, t'es sur 4, mets sur 5. Non, non. Ok. Non, c'est non. Are you mad? Lisa, tu vas m'acheter deux plates IKEA. Oui, oui, d'accord, ok, ça va. Tu fais 100 km là, donc vas-y. Dio, mad. Gloria, tais-toi. Regarde. Concentre-toi. Concentre-toi, tais-toi. On est sur un pont là, Seigneur. You are the most light. Ici, je vous jure, ici ils savent trop pas faire les éclairs comme pas possible. Laissez tomber, mais regardez, ça en dirait du pain français. Après, regardez ma plante, elle est juste morte, la pauvre. C'est du basilic en fait. Oh. I don't call it coughing. I just call it loving. We don't break up in the summer. Vous avez raté le jour. J'ai essayé de vlogger, mais finalement, j'ai laissé tomber tellement j'avais de choses en main. J'ai été chez Ikea m'acheter des plantes, enfin une, non quelques-unes. Je vois les petites, ma soeur, elle me les a achetées. And that's on period. Vous vous souvenez quand elle m'a dit, ouais, je t'achète deux plantes. Lisa, tu vas m'acheter deux plantes Ikea. Oui, oui, d'accord, ok, ça va. Et je l'ai saoulée chez Ikea, elle m'a acheté les deux plantes, ok. Mais bon, après, c'était des tout petites plantes, j'ai pas exagéré non plus. J'ai acheté quoi d'autre? Je sais plus. Ah oui, il y avait ces sortes. Une sorte d'étagère comme ça, je vous mettrai la photo ici, et c'est en rupture de stock, j'étais dégoûtée parce que je voulais trop ça. J'ai vu ça chez ma pote Esta, elle a ça chez elle, et donc je trouve ça tellement joli. Je pense qu'elle est entourée, hein, mais moi j'ai vu ça en blanc, et j'ai envie d'avoir ça en blanc, comme ça, ça fond bien dans la pièce, tu vois. Donc ça, il n'y avait plus, donc je vais devoir y retourner pour voir si je retrouve ça, bref. Et Lolo sont épis dehors comme ça. Bon, je fais ça parce qu'il y a des gens qui parlent trop en fait. Je suis pas du tout gênée, du tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui parlent trop sur YouTube. Pas dans les autres plateformes, sur YouTube en question. Donc, aujourd'hui, les styles, c'est ça. Donc, premier truc, les gars, de chez Pixi. Attendez, il faut que je change d'endroit ou c'est bien comme ça? Attends. Entre temps, il y a plein des trucs que j'ai déjà ouvert parce que ça encombrait trop ma pièce. J'en pouvais juste plus, ok? J'ai ouvert et des fois, t'avais des gros trucs balèzes avec un crayon dedans. Un crayon dedans, mais le truc, il était balèze comme ça. Vraiment, des fois, ils exagèrent, ils abusent, tu vois. Et moi, ça m'énerve d'avoir des boîtes qui encombrent et tout ça. Avant-hier, je pense, je suis retournée à Bruxelles pour pouvoir faire mes ongles, tu vois. Sœur, laisse tomber, il y a des colis qui m'attendent aussi là-bas parce que les gens n'ont pas compris que j'avais changé d'adresse, en fait. Alors là, ça vient de chez Pixi. Mais là, cette fois, c'est Pixi, you know. Je pense que c'est Pixi, hein. Ou alors je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que si. Ah non! Hey, sorry. Donc ça vient de chez Morphe 2. Et ça s'appelle Dixie. Je pense que ça doit être une blogueuse, hein, peut-être. C'est quoi ça? Comment ça? Les logos, c'est fait pour allaiter. Laissez-moi tranquille. Collection Dixie et vous avez la collection Charlie. Ah, ça, c'est le truc genre pour faire un make-up vraiment frais, quoi. Donc t'as le gloss. Vous voyez ces gloss-là? De chez Morphe. Je suis désolée, mais c'est déclassé. Déclassé. En fait, ça donne un effet vert, comme ça, glacé.
je voulais dire glace en anglais, mais c'est bien genre, tu vois, un effet vert quoi, en gros, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est vraiment le truc pour pouvoir te faire un make-up frais comme ça et rapide. Que tu mets un peu de highlight, je te jure, ça fait trop mignon. Je vais essayer demain, je vais faire ce make-up là pour voir. C'est vraiment très subtil, hein. D'ailleurs, je me demande si ça va se voir sur moi. Charlie. Bah, ça, c'est un peu plus clair, c'est rose. Voilà. Ouh, j'aime bien les couleurs un peu vieux rose comme ça. C'est trop joli. Allez vous acheter les gloss comme ça chez Morphe. Voilà. Il est cute. C'est chou. On dirait des déodorants. Attends. J'ai envie de regarder celui-ci. Bâton hydratant teinté. Ok. Oh. Ah. La go qui découvre. Dans cet esprit un peu estival, léger, tout ça, là, tu vois. Pour donner un effet bonne mine, limite. Tu vois, tu mets genre sur tes joues et un peu sur le nez, comme ça fait cute. Ouais, j'aime pas trop swatcher les trucs parce que sinon, du coup, ça fait comme si c'était utilisé, tu vois. Et là, j'ai mal ouvert le truc et regarde. J'aime pas donner les trucs utilisés ou alors qu'on a l'impression que c'est utilisé à des gens, tu vois, ça se fait pas. Mais après, il y a d'autres gens qui sont là en mode non, donne, tu vois. D'un côté, c'est là, genre, c'est pas poli, tu vois. Et là, on a un mascara Sky High de chez Maybelline. Regardez. Et donc, vous avez un lash sensationnel et un cil sensationnel. Quoi la différence? Ah, il y en a un qui est waterproof. Voilà. On va ouvrir encore une boîte. Voire deux. Les palettes de chez Golden Shay. Les gars, vous voyez ces palettes-là? Ce sont mes palettes de tous les jours. Les palettes sont pigmentées comme jamais. J'en ai deux autres. Hein, là-bas que j'ai déjà ouvert. Trop belles. Vraiment, je les encourage à continuer à faire ce qu'elles font. Parce que leur palette, c'est de la bombe. Genre, vraiment. Oh, that's cute. Oh, j'aurais même pu le mettre aujourd'hui, ça. Oh. Bref, il faut que Gloria, je commence à faire des looks, là. Parce que Thomas is here, you know. Need to shine, shine a bit. Oh, ça, je pense que je vous montrerai une autre fois dans une autre vidéo. Des produits de soins de chez YesStyle. Restez dans l'ignorance. Moi, je vous ai déjà dit, restez dans l'ignorance. Alors ça vient de chez Biowa. Donc, il y a le haut et le bas. C'est une jupe. Oh, je vais essayer ça. J'ai pas envie d'essayer ça en caméra. J'ai envie que vous puissiez voir sur photo. Sinon, ça casse un peu le truc parce que là, je vais vous montrer. Donc, quand je vais poster la photo, ça ne sera pas aussi, genre, impactant. Donc, je vous explique en gros.
Je sais pas pourquoi, pour une certaine raison, on commençait un peu à mal. Doucement. Le réveil n'était pas... Donc on s'est dit qu'on allait changer de chambre. C'est distant, on a une autre chambre là qui sert à rien, mais on va aller là-bas. Oui ? Ce serait bien que j'ai la chambre en bas, tu trouves pas? Tu trouves pas que ce serait bien la chambre en bas pour moi? Là-bas. T'aimes pas? Mais si on arrange, c'est parce qu'il n'y a pas la déco et tout, tu vois. Ça va, hein? C'est juste pour dormir, c'est détendu quand tu dors là-bas. Quand elle commence à faire chaud. Ouais, non, c'est vrai, c'est mort. Mais ben, je garde ici alors. Mais si, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est juste que. En fait, parce qu'il y a une grosse étagère qui va venir ici, tu vois. Mais le problème, c'est que quand je filme mes vidéos mode, j'ai quand même envie d'être un peu loin, comme ça, ils voient ma tenue de haut en bas, tu vois. Donc, je sais pas si quand je vais venir ici, ça sera encombrant. Toi, genre, quand tu fais des vidéos de mode de haut en bas. Je sais pas, puis ça résonne, mais ok, ça va, bosse-toi alors. Là, je suis en train de vlogger. Tu veux quoi? Ma vie. Camille. Waouh. C'est bon, je vlog mes journées, je montre un peu l'avancement du bureau, mais il y a des trucs qui sont restés chez ma mère, c'est pour ça. Hein. Il y a l'artiste qui a vendu. Son œuvre à 15 000 euros. Mais si c'est pas son œuvre. De quoi? Rien du tout. Son œuvre n'existe pas. Invisible. Genre, il a fait un tableau blanc alors? Non, il n'a pas fait tableau blanc. Son œuvre, il est invisible. Comment ça, il a vendu rien? Tu as donné un papier à la personne pour dire que tu possèdes un l'œuvre d'art invisible. Mais moi aussi, je suis artiste alors. Je te vends rien à 20 000 euros. J'ai dit ton nom. C'est un artiste, il a fait d'autres œuvres déjà. Je sais pas s'il a fait d'autres œuvres, mais genre. Et c'est qui a acheté? Rien. C'est un riche, je sais pas. Il y a un autre artiste qui a porté plainte contre l'artiste là en disant qu'il a repris son concept. Moi aussi, je vais aller dire moi aussi. Eh, viens, on va protéger. Je veux dire que j'ai créé. Ils vont dire, c'est quoi ton œuvre? Je veux dire, j'ai rien créé. C'est ça mon œuvre. Et après, je protège, je mets un brevet dessus. Bon, tu crois qu'il y a pas mis un brevet dessus? C'est un brevet dans quel pays? Peut-être que c'est un brevet et faut pas jouer avec le droit après. Peut-être que c'est un brevet qui est limité aux États-Unis. Ça, ouais. Autant donner l'argent à la personne en fait, tu vois. Il a un certificat. Ouais. Et donc c'est ça qui va encadrer. Il va venir dire aux gens dans son salon, venez, venez. Voilà mon œuvre. Les gens ils vont dire, elle est où? Ils vont dire, bah, elle est là. Elle est où? Bah, elle est là, c'est rien. C'est mon œuvre. Je l'ai acheté à 15 000 euros. C'est vraiment triste, je trouve ça trop triste. Alors que... Bon, j'ai pas envie de dire qu'il y a encore la faim dans le monde, il y a de la misère et tout ça, mais genre pourquoi tu gaspilles pas ton argent dans ça au lieu d'acheter une œuvre qui s'appelle rien? Elle s'appelle même pas rien l'œuvre, il y a rien. Anyways. Je l'aurais pas encore expliqué. Put it there. Close the door. Anyways, donc je vous explique les gars.